Ça c'est du shark, ça c'est du pad thai, ça c'est du riz aux œufs, ça c'est du poisson. J'ai emmené une strip colapage, regardez en bas de l'œil, il a quelque chose, il a l'air malade. Ses ailes elles sont coupées, et, il est très amaigri et il m'a l'air très très jeune. C'est un petit bébé. Là, je lui ai pris des fruits, de l'eau, et il est là. Ma petite planque, j'aime trop bien voir les rochers. Je leur ai mis du fish tout en bas là. Il y a un poisson qui a commencé à manger, lui, là. Il a mangé des petits morceaux. Ah, il y a un crabe qui est dessus. Tout à l'heure, les vagues, elles me poussent le coude. Il a encore un petit peu peur, mais il commence à prendre confiance. Ouais, bon, il se cache sous moi. On peut le porter comme ça, il n'y a pas de souci. Il a tendance à se baisser comme s'il était dans une cage trop petite. Et toujours à se cacher comme ça dans des coins. C'est ma fille. T'es où? Oui, ma fille. Oh, il revient tout seul vers moi. C'est trop mignon. À la base, il me flippait. Regardez son œil, il a une blessure en bas de l'œil. Au début, il avait peur de moi, il me fuyait, il volait partout, il criait. Là, maintenant, il vient se poser vers moi. Viens, fils. Dernier jour, hein. On finit sous la pluie. Regardez l'eau comment ça fait quand il pleut. En vrai, l'eau elle est chaude quand il pleut. Ceux qui vont venir assurer, mes amis, retenez bien cet endroit. C'est là, ce stand. Vous pouvez aller à 100% fiche grillée. Ça, vous partez de là, la descente elle est là. Enfin, pas la descente, la route. Vous prenez pas le premier tournant là-bas. Vous prenez celui-là où il y a le terrain de foot. Vous regardez, dès qu'il y a le terrain de foot ici, vous allez là, vous tournez à droite. Premier stand à gauche, du fish grillé, c'est le feu, j'ai mangé, c'est toutes les vacances. Après, il y a ma petite chouchou, elle est ma petite chouchou. Elle est où? Elle est où? Ah, là, son stand, il est là, là tu fais le mid-check, le check et tout. Voilà, Noria restaurant, vous pouvez manger les yeux fermés, à côté, il y a les checks, là, il y a tout, c'est vraiment propre, et vous pouvez manger là, devant la plage, c'est ça?
On finit les vacances sous la pluie, mais alhamdoulilah, on a trop bien profité. Pleut encore. Là, je loue une moto ici, je l'ai rendue, parce que bah, c'est la fin des vacances. Regardez la vue qu'ils ont. Vous avez vu la vue qu'ils ont? La jungle, les animaux. Bref, je voulais juste dire aussi, j'ai loué un casque pour une nouvelle vie. Nouvelle bécane. Je prolonge. C'est trop devenu mon gars. Genre, ça, il a plus peur de moi, dites-vous. Tout à l'heure, il avait un peu peur, hier, il avait peur. Je pense qu'il a capté que je voulais son bien. Bien, fils. Il est amaigri, mais de ouf. De ouf, il est vraiment maigre. Tu vas chier? Tu sais, c'est vraiment devenu mon petit gars. De faire son vol, vous allez comprendre pourquoi cet oiseau ne peut pas voler. Oh non, non, j'ai failli perdre mon oiseau par la fenêtre. J'avais zappé qu'elle était ouverte. Oh. Reste là, fils. Regardez, ils lui ont coupé les ailes. Après, ça, c'est une pratique qui se fait partout. Attendez, je vais vous montrer. Y a même les vétérinaires en France qui la font. C'est pour que l'animal ne s'envole pas. Vous voyez là, c'est les ailes coupées. Il ne peut pas voler loin, il ne peut pas voler haut. Mais c'est un truc qui le gêne en fait dans sa vie. Parce que s'il a besoin de se sauver, c'est mort, il ne pourra pas. S'il vole, il va tomber comme une crêpe. Donc c'est pour ça que là, je vais vous montrer sur le lit. Mais regardez. Ben ça va, il vole de mieux en mieux, lui. Attends, viens, fils. Attends, viens. Vous voyez? C'est ça, son vol. C'est pour ça que je suis obligé de demander à une personne de s'en occuper. D'ailleurs, j'ai trouvé, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais voilà, il sera bien. Viens, fils, reste par terre. Balade-toi. À toutes. Il faisait que de se cacher partout. Et là, aujourd'hui, ça va, il explore. Il a plus peur de moi. Je suis trop content. Tu vois où, fils? Eh! Oh, oulala, là là, c'est de la poussière ou... Mais c'est quoi tout ça? Ça fait un trait, ça fait une marque. Bref, il est là le fiston. Je laisse faire sa vie. Kezia, je t'ai dit, je vais rejoindre ton gars là que tu m'as dit pour les bombes du tigre et tout. Je touche avec son meilleur pote, il va m'emmener chez lui. Et je vous mettrai aussi son contact, c'est une personne apparemment qui... Avant, bossait. Le Covid, il lui a mis un coup. Du coup, si on peut lui donner de la force en venant acheter des produits à cette personne, je vous mettrai son contact. De toute façon, dès que je finis la taille, je rigolais tout à l'heure, je prolonge pas, c'est le dernier jour. Dès que je finis la taille, je vous mets tous les contacts, tous les trucs à savoir. Ah oui, t'as aucun muscle, monte. Mousse, on va lui mettre la bague, hein. Ça tu pourras lui mettre une attache.